Bonjour à tous, Augustin pour la voix de la diaspora. Nous sommes à Saint-Denis. Je suis avec le délégué national ou international, M. Nizako et M. Touré et son équipe. Monsieur le Président, monsieur le délégué, bonjour. Pourquoi nous sommes là ce soir, cet après-midi? Nous sommes là ce soir pour écouter le bureau de la délégation et les militants. Parce que les choses se passent à Paris, elles sont très sérieuses et nous devons les gérer. Et c'est en sorte qu'aujourd'hui, nous allons leur dire ce que nous allons faire pour nous amener. Alors, ce n'est pas inoffensif si je me trompe? Ah, c'est certainement une fois offensive. D'accord. Cette manifestation du samedi dernier. D'accord. Mais tout est relativisé. D'accord. Parce que ce que nous avons vu, c'est une vue panoramique qui ne nous dit pas exactement comment ils sont. D'accord. Quand nous sortirons, ce ne sera pas une vue panoramique. Alors, je vois que la population a répondu à votre appel. La salle est vraiment boudée, blindée. J'espère que la suite va être quelque chose ici. Je ne comprends pas. C'est quoi la suite? La suite, on le verra tout à l'heure. D'accord. Parce que le samedi prochain, nous allons faire un poste. C'est-à-dire le samedi qui arrive, ça sera le tour de RDP qui occupe le terrain à Paris, c'est ça en fait? D'accord, si tu avais un message à passer à la diaspora, quel serait le message? Ils sont nombreux pour faire honneur au président. D'accord. C'est le président à qui on a demandé un sacrifice et il nous l'a accordé. Nous, nous devons faire autant pour lui, sinon plus. D'accord, donc si je comprends, c'est un remerciement au président qui a accepté vos doléances, en fait ça. Vous avez suivi l'intervention de la voix de la diaspora hier avec la ministre et maître Aboutiakou Bamba, l'ami, qui a dit pas mal de choses sur le président de la République. J'espère que vous l'avez suivi. Vous n'avez pas eu de relation? D'accord. D'accord, je vous mets seulement au parfum. Elle a dit qu'il n'y aura pas d'élection tant que le président n'a pas quitté les bancs. Est-ce que vous trouvez que... Est-ce que vous avez une réponse par rapport à ça, cette chose-là? Bon, maintenant, il faut qu'elle soit à Abidjan pour empêcher que le président soit opposé. D'accord. L'institution de la Côte d'Ivoire travaille. D'accord. Merci, monsieur le délégué. Merci encore à tous. C'était Augustin Lebet, je ne ferai pas de direct parce que c'est une réunion... L'important, c'est une réunion de comité, c'est une réunion où toute la salle est là. Donc on ne fera pas de direct. On reste là pour écouter un peu ce qui se passe. Merci encore d'avoir suivi la voix de la diaspora. Et c'est encore la Côte d'Ivoire qui gagne. Voilà, je venais d'avoir le délégué Inizako qui donnait un peu le tempo sur la situation. Et merci encore et à bientôt.